Le tarin parmi les fleurs. Les petits passereaux. Ici le tarin des aunes. Les passereaux sont très friands au printemps des fleurs des arbres fruitiers. Ils se nourrissent exclusivement du cœur qui est légèrement sucré. Pour cela, ils arrachent les pétales et les étamines, comme on le voit ici, pour atteindre le cœur de la fleur. On reconnaît bien le plumage, presque entièrement jaune et verdâtre, du tarin des aunes. Ici, il s'agit d'un mâle, avec une calotte noire et une petite bavette de même couleur. Le tarin se déplaçant en bande, comprenant de très nombreux individus, peuvent créer des ravages sur les arbres fruitiers. Contrairement aux abeilles qui sont non destructrices pour la pollinisation, les oiseaux, tels que les petits passereaux, participent à la pollinisation, mais sont plus destructeurs. Voici un autre mâle qui s'acharne sur les fleurs de ce prunus. Lorsque les oiseaux se nourrissent de fleurs, comme ici, ils sont très peu attentifs aux prédateurs, ce qui cause de gros dégâts dans les populations. Voici un autre mâle en plumage nuptial. On distingue la queue largement échancrée, la calotte noire, la petite bavette noire avec l'œil. La mésange bleue est également friande de fleurs.